Este blazer me gusta mucho, pero definitivamente prefiero este. Hola a todos, yo soy Josmari y esto es Progre Español. Y hoy vamos a hablar de los gustos y de las preferencias en español. Salut et bienvenue à ce huitième module du cours de débutants de Progre Español. Aujourd'hui, nous allons apprendre comment exprimer ses goûts et ses préférences en espagnol. Mais avant de commencer, je t'invite à t'abonner à la newsletter qui est complètement gratuite et tu trouveras le lien dans la partie de description et dans un commentaire. Je te rappelle qu'en t'abonnant à la newsletter, tu auras accès à un cadeau surprise et également à l'examen final de ce cours pour débutants. Donc n'hésite pas à t'abonner, tu auras les liens en bas. Maintenant, commençons avec le cours d'aujourd'hui et c'est de exprimer ses goûts. Évidemment, en espagnol, nous avons un verbe qui est le verbe gustar. Et c'est le verbe par excellence que nous utilisons pour exprimer ses goûts. Los gustos en espagnol. Le verbe gustar est un peu particulier. Évidemment, il se traduit en français par aimer bien. Par exemple, j'aime bien les sports d'hiver. Me gustan los deportes de invierno. Ou j'aime bien le chocolat. Me gusta el chocolate. Mais tu remarqueras qu'il est un peu particulier. Oui, car le verbe gustar ne se conjugue pas comme un verbe régulier normal, mais comme le verbe plaire en français. C'est-à-dire qu'il se conjugue avec le complément, la chose que nous aimons bien. Par exemple, me gusta ir en bici. J'aime bien faire du vélo. Étant donné que ir est un verbe à l'infinitif, il faut dire gusta, qui est la troisième personne au singulier. Un autre exemple, j'aime bien la paella. Étant donné que la paella est un mot au singulier, il faut dire me gusta. Et si nous avons un mot au pluriel, par exemple, me gustan las patatas bravas. J'aime bien les patatas bravas. À ce moment-là, il faut faire l'accord entre gustar et le complément qui est au pluriel, c'est-à-dire gustan. Oui, tu remarqueras que le verbe gustar a donc deux conjugaisons possibles pour exprimer ses goûts, c'est-à-dire le verbe gusta plus un verbe à l'infinitif, comer, ir, ou un nom au singulier, el chocolate, la paella. Ou gustan plus un mot au pluriel comme los deportes de invierno ou las patatas bravas. Maintenant, nous allons pratiquer, je vais te donner quelques exemples. J'aime bien la gastronomie espagnole. Me gusta la gastronomía española. J'aime bien manger la tortilla. Me gusta comer la tortilla. J'aime bien les tapas. Me gustan las tapas. Et dernier, j'aime bien parler en espagnol. Me gusta hablar en español. Me gusta la mañana, me gustas tú, me gusta el viento, me gustas tú. Tu l'auras compris, normalement dans le quotidien, nous utilisons le verbe gustar sous deux formes, me gusta ou me gustan. Si nous voulons parler d'une autre personne, dans ce cas-là, il faudra dire te gusta ou te gustan pour tu. Le gusta ou le gustan pour il, nos gusta ou nos gustan pour nous, os gusta ou os gustan pour vous, les gusta et les gustan pour il au pluriel. Aussi, en espagnol, nous avons l'option de dire ami. Me gusta. Mais c'est facultatif. Nous le disons normalement pour insister que c'est à moi. Moi, j'aime bien. A mí me gusta la paella. Également, nous l'avons pour les autres personnes. A ti te gusta la paella. A él, ella o usted le gusta la paella. A nosotros nos gusta la paella. A vosotros os gusta la paella y a ellos, ellas o ustedes
les gusta la paella. Rappelle-toi que tu auras aussi un article dans le blog de Progrès Espagnol avec les récapitulatifs de toute l'explication. Tu auras les liens dans la partie de description et aussi dans un commentaire. Maintenant, passons aux autres verbes pour exprimer ses préférences. Dans l'introduction, j'ai dit « Oh, j'aime beaucoup ce blazer, mais je préfère définitivement celui-là. » J'ai dit le mot préférer. Je vais parler du verbe préférer, préfier. Me gusta este blazer, pero definitivamente prefiero este. Donc, pour exprimer la préférence en espagnol, il faut utiliser le verbe préférer. Préférer est un verbe irrégulier et nous le conjuguons comme yo prefiero, tú prefieres, él prefiere. Nosotros preferimos, vosotros preferís, ellos prefieren. C'est un peu comme le verbe querer pour l'irrégularité. Et finalement, par rapport au verbe qui exprime une préférence, nous avons le verbe encantar, qui voudrait dire adorer en français. Et celui-là se conjugue également comme le verbe gustar, c'est-à-dire me encanta. O me encantan. Par exemple, me encanta aprender nuevos idiomas. O me encantan las tradiciones españolas. Encantar est un verbe régulier, c'est-à-dire que ça sera toujours encanta ou encantant avec la personne qui correspond. Me encanta, te encanta, le encanta, nos encanta, os encanta, les encanta. Maintenant, passons au verbe pour exprimer quelque chose que nous n'aimons pas. C'est très simple. Avec le verbe gustar, il suffit de rajouter un nom avant le verbe. Par exemple, me gusta el mango. No me gusta el mango. Me gusta la banana. No me gusta la banana. Ou aussi un peu plus fort, détesto la banana. Je déteste la banane. Ou odio la banana. Je haïs la banane. Nous avons un quatrième mot pour exprimer quelque chose que nous n'aimons pas. Et c'est le verbe molestar, embêter. Il s'utilise également comme le verbe gustar. Par exemple, me molesta el tráfico. Me molestan las personas maleducadas. Comme tu remarqueras, il se conjugue comme le verbe gustar. Me molesta et me molestan. Finalement, pour exprimer que tu es d'accord avec le goût de quelqu'un ou que tu es d'accord avec quelque chose que la personne n'aime pas, il faudra utiliser les mots también aussi et tampoco. Par exemple, me gusta mucho tocar la guitarra. Oh, a mí también. No me gusta tocar la guitarra. A mí tampoco. Y para terminar, un pequeño diálogo. Hola Victoria, dime, ¿te gusta el mojito? No, no me gusta nada. Ah, a mí me encanta. Pues yo prefiero el vino tinto. Et toi, qu'est-ce que tu aimes bien? Dis-moi en commentaire quelles sont les trois choses que tu préfères de l'espagnol. Me encantará conocer tus preferencias. Et fais comme Luna. Vamos a la playa! Vamos a la playa.